Pour naviguer dans une playlist et activer le chargement automatique, appuyez simplement sur les boutons pour passer vos pistes vers l'avant ou vers l'arrière. Cela fonctionne lorsqu'aucune piste n'est en lecture. Lorsqu'une piste est en cours de lecture, le bouton retour en arrière vous permet de revenir au début de la piste. Pour recharger rapidement un passage, avancez et reculez dans la piste, maintenez Shift et appuyez en même temps le bouton Beat Jump. Vous pouvez activer le beat jump sur une piste, encore une fois vers l'avant et vers l'arrière, en réglant la longueur du beat jump voulu, en utilisant l'encodeur d'autoloop. Les réglages de l'autoloop sont dupliqués à l'identique sur le beat jump. Les pistes comportant des paroles peuvent être inversées très simplement en maintenant le bouton Sensor. Cela inverse momentanément la section. Maintenir Shift puis appuyer sur le retour en arrière maintient la piste en lecture inversée. Appuyez à nouveau sur le bouton Sensor pour repasser en lecture normale. Activer le mode Sleep sur le Prime 4 permet de jouer la piste en temps réel en arrière-plan et ouvre la voie à de nombreux effets créatifs intéressants. Le temps de desktop peut être ajusté en touchant le triangle en bas du centre de l'écran tactile. Faites glisser votre doigt vers la droite ou vers la gauche pour augmenter ou réduire la durée du stop time. Dans cette section, vous pouvez aussi sélectionner la lecture en continu de vos pistes sur une playlist. Votre DJ-set complet, incluant le son de vos canaux microphones, peut être enregistré sur n'importe quelle source média connectée sur le Prime 4, même celle utilisée comme source de lecture. Appuyez et maintenez le bouton Menu. Appuyez sur l'icône d'enregistrement, sélectionnez la source média voulue et quand vous êtes prêt à enregistrer, appuyez simplement sur Start. Vous pouvez mettre l'enregistrement en pause et arrêter l'enregistrement sur l'écran tactile également. Une fois arrêté, appuyez sur Save As et donnez un nom à votre performance, puis appuyez sur Done.